Jour 514. La nouvelle la plus importante vient de Crimée. Après une série de larges attaques de drones sur la péninsule, les Ukrainiens ont finalement trouvé une faiblesse temporaire dans l'espace aérien russe. Il semble qu'à la lumière des attaques contre les ponts et la flotte de la mer Noire, les forces russes ont concentré leur défense aérienne dans la partie nord de la Crimée pour protéger les ponts et dans la partie sud de la Crimée pour protéger la flotte. C'est pourquoi les drones ukrainiens ont réussi à pénétrer l'espace aérien russe sur des dizaines de kilomètres et à atteindre simultanément trois aérodromes russes en profondeur. On comprit qu'elles avaient identifié une nouvelle chance de porter un coup décisif et, comprenant que l'ennemi renforcerait probablement Avdiivka pendant la nuit, les Ukrainiens ont choisi leur prochaine cible à 20 km au nord. Dans la matinée, d'énormes explosions se sont produites dans le district de Krasnoïardivsk. Les habitants de la région ont déclaré avoir entendu des détonations secondaires à la suite de la frappe. Plus tard, il est apparu clairement que les Ukrainiens avaient réussi à frapper plusieurs cibles à la fois. La première cible des forces ukrainiennes était l'un des plus grands aérodromes de Crimée, où les Ukrainiens ont réussi à détruire un énorme dépôt de munitions. La deuxième cible des Ukrainiens était le dépôt de pétrole d'Oktyabrskoïe. Des détonations secondaires continuent à seulement 2,5 km de la ville, combinées à d'énormes incendies, ont poussé les autorités locales à mettre en œuvre des mesures drastiques et ont décidé d'évacuer toutes les personnes se trouvant dans un rayon de 5 km. De plus, la localité étant située à proximité immédiate de l'une des principales voies ferrées, le trafic ferroviaire a été interrompu. Plus tard, en raison de la menace accrue de la poursuite des frappes, les Russes ont également fermé le pont de Kerch, ce qui signifie que toutes les principales lignes d'approvisionnement étaient hors d'usage aujourd'hui. Par ailleurs, de nombreuses personnes ont remis en question la décision de donner la priorité à la destruction du pont routier de Kerch plutôt qu'à celle de la voie ferrée. Cependant, outre le fait qu'il est plus fragile, à court terme, il a créé un important problème pour les Russes à Zaporijjia. Bien que Poutine ait déclaré que la route du pont de Kerch n'était pas utilisée par les militaires, le chef de l'administration de Crimée a simultanément demandé à tout le monde de ne pas utiliser le pont afin que le matériel militaire puisse circuler sans encombre. Ainsi, en supprimant le pont routier, la quasi-totalité du trafic de Crimée a dû passer par Zaporijjia, ce qui a créé des embouteillages massifs et bloqué efficacement l'approvisionnement du front par les Russes, pratiquement le même jour. En fait, les Ukrainiens ont indiqué que les pénuries avaient commencé à se faire sentir lorsque les Russes ont commencé à riposter moins fréquemment et moins intensément. Cela signifie également que davantage d'opérations de contre-attaque russes ont été menées avec un soutien d'artillerie réduit ou inexistant, faisant passer de nombreuses zones de valeur secondaire d'une situation relativement sûre à une situation très dangereuse. Et c'est précisément à ce moment-là que de nombreux correspondants de guerre russes ont commencé à périr rapidement. Un correspondant de guerre russe, Rotislav Ziravlev, qui expliquait comment les drones russes détruisaient l'artillerie ukrainienne, a été pris sous le feu de l'artillerie ukrainienne avec son équipe. Tous se trouvaient encore quelque part sur la base russe et se préparaient à se rapprocher de la ligne de contact. Il est le seul à ne pas avoir survécu à l'attaque. Un célèbre blogueur militaire et correspondant de guerre, Misha na Donbass, a été la cible de tirs d'artillerie quelque part près de Krasnoïarivka et a péri lui aussi. Des sources ukrainiennes affirment qu'il est mort à la suite de l'explosion d'un obus à sous-munitions, tandis que des sources russes affirment qu'il est mort à la suite d'une contre-attaque ukrainienne réussie. Un député russe, Alexander Borodin, a également essuyé des tirs d'artillerie ukrainiens lors de sa visite de relations publiques à Bakhmout. Des images explicites ont confirmé qu'il y avait été blessé, mais qu'il avait survécu. En 2014, Borodin était l'un des commandants de la milice de la RPD et d'Angirkin, a facilité la sécession de l'Ukraine. D'ailleurs, les autorités russes se sont présentées à l'improviste au domicile de M. Girkin et l'ont arrêté. Il a ensuite été inculpé d'extrémisme, ce qui le menace d'une peine d'emprisonnement de 5 à 20 ans. Girkin est le fondateur du club des Patriotes en colère, et il a ouvertement et constamment critiqué Poutine et le ministère russe de la Défense. Girkin a été particulièrement virulent après le coup d'État de Wagner, et a appelé à la destitution de Poutine et du ministre de la Défense pour leur inaptitude, ainsi qu'à l'exécution de Prigojine pour avoir fait le coup d'État. Il est intéressant de noter que certaines sources ont affirmé que Girkin avait été arrêté à la demande d'une personne affiliée à Wagner en Russie. L'arrestation de Girkin a provoqué une énorme réaction dans l'espace médiatique, tout le monde se demandant pourquoi Prigojine est libre et se rend même à Moscou pour rencontrer Poutine
après avoir mené un coup d'État, pris des villes, abattu des avions russes et tué des dizaines de soldats russes. Alors que Girkin risque de passer le reste de sa vie en prison, essentiellement pour avoir parlé franchement sur l'Internet. Quoi qu'il en soit, pour les Ukrainiens, cela signifie simplement qu'au cours des derniers jours, les Russes ont perdu beaucoup de voix, justifiant activement l'invasion. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage.